with us on a ship of adventure in that ancient land of mystery, romance, thrills, and excitement, where breathtaking miracles leap before your eyes. I try to be a nice man whenever I can, but you gotta understand when it's out of my hands. Last week got high rock set with my band. Rockabilette Vintage Festival, première. Le Rockabilette, c'est un festival sur la mobilette et sur le vintage qui a lieu depuis 2014. Next thing you know, bro, I'm getting hit from a fan. On my way back in, someone passed me a split. And I don't usually, but I gave a hit. Now... En 2011, on est parti avec mon ami Jérémy faire 2500 km dans la France en mobilette. L'objectif de notre petit road trip, c'était la Dune du Pilat. Du coup, on a fait 3 semaines de mobilette. On a rencontré plein de monde, on s'est rendu compte que la mobilette était très rassembleuse. Et quand on est revenu, j'ai proposé cette idée à mes amis de faire un festival. Le but, c'était de pouvoir proposer de la culture, des animations à notre public dans le milieu rural, donc à Luzy, dans le parc naturel du Morvan. Ça fait vivre nos campagnes, on n'a pas besoin d'être dans des grandes villes pour s'amuser. Le projet paraissait super ambitieux, mais le concept nous plaisait tellement en fait, on avait tellement d'idées avec toute l'équipe, il y a eu plein de choses pour rajouter en fait, tout le monde a apporté un peu sa pierre à l'édifice. Du coup ça permet de faire des animations d'un côté, des super concerts de l'autre, il y a beaucoup de monde qui va piocher un petit peu ce qui l'intéresse dans ce festival. Il y a une espèce de liberté pour le festivalier et ça c'est très agréable. On peut être à la fois oui, le lancer de pantoufles qui ouvre, la course de brouette, en même temps on a envie d'aller voir un concert, allez 10 minutes on va ailleurs. On vient sur le marché, enfin il y a une grande diversité. On organise des concerts, du spectacle de rue. On a mélangé ça avec un rassemblement de voitures, de mobilettes, le marché vintage et nos animations un peu décalées, fêtes de village. C'est ça qui est sympa aussi au Rockabilette, c'est que tout le monde peut participer aux animations. Notre public, il veut être acteur du festival et c'est ça aussi qui fait notre force. C'est des beaux costumes. C'est là qu'on se dit que putain, dans les années 50-60, les mecs, ils avaient tout capté. Beaucoup de filles lookées et qui mettent le paquet. C'est une manière de respecter le festival aussi. Et du coup, ils offrent un décor naturel à ça. Laurent de la Bécannerie, on est mécène en fait du festival depuis le début. On est une association, les Amoureux du Vintage. Pour nous, c'est la première fois qu'on fait ce festival. On a pu exposer notre savoir-faire aussi, qui a été apprécié de tout le monde. Ça permet de faire vivre, je dirais, une passion, la passion du deux-roues. Ça aille au-delà en fait des réseaux sociaux. Ça permet aux gens de sortir de chez eux et de continuer à entretenir leur bref. On rassemble tous les âges et tous les genres sur le festival et les gens du coup se rencontrent au même endroit, rigolent les mêmes choses et du coup ça crée du lien de Rockabilette. Dans ce festival il y a beaucoup de personnes différentes, il y a beaucoup de styles différents, mais c'est bien, tout ça, ça se complète, ça se marie bien ensemble. On est vraiment multigénérationnel, on essaie d'avoir un lieu où les gens puissent parler les uns avec les autres aussi pour arrêter les clichés aussi des fois qu'on peut avoir sur des transgénérationnels. C'est la nostalgie de ce qu'ont connu nos parents, tu te dis ah, tiens j'ai vu telle mobilette ou telle voiture, mon père a eu mais j'avais 5 ans quand j'étais jeune. C'est le moment de partager ça aussi avec nos parents. Il y a un côté regard démodé, sans être péjoratif, ce qui fait que les gens ne se prennent pas au sérieux et il n'y a pas de prise de tête. Et du coup, ça se ressent vachement dans l'ambiance. C'est que de l'amour. On s'est rencontrés il y a 4 ans au Rockabilette, en fait, et on est en couple depuis. Ça se passe qu'au Rockabilette, ce genre de rencontre. Rockabilette, c'est un festival qu'on a voulu dès le départ accessible et en grande partie gratuit. En gros, il n'y a que les soirées de concert qui sont payantes. Les nouveaux
l'actualité de cette année. On a fait une grosse soirée vendredi avec une vraie programmation funk, c'est le Funkabilette. Il y a le Gymkhana aussi qui est une nouveauté. Tous les ans, on essaye de revoir un petit peu notre organisation, notre programmation pour proposer des nouveautés à notre public. Le lancer de pantoufles, on voulait le changer cette année, mais ça n'a pas été fait parce que les gens nous ont dit non, faut pas le modifier. On l'a amélioré. Tous les ans, on change. Il y avait l'enfilage de slip l'année dernière et cette année, c'est la course de garçons de café. Il y a toutes sortes d'activités assez sympathiques qu'on ne trouve pas ailleurs et c'est ce qui fait que le festival est unique. Si vous voulez trouver l'amour, peut-être que c'est l'occasion de venir à ce festival. C'est sûrement mieux que l'amour est dans le pré. Funkabilette. Je voulais vous marrer, boire un coup entre potes, passer un super week-end en musique, en brouette ou en mobilette. Venez au festival en cabinet, il y a qu'ici que ça se passe. Vive le Funkabilette.